Salut mes petits Yoshi, c'est Denis Roro, on se retrouve aujourd'hui pour les pires vidéos que j'ai faites en 2017. Bonne année 2019 à vous, parce que c'est la première vidéo de 2019 que je fais sur cette chaîne YouTube. Et pour ce deuxième épisode, on se retrouve avec un invité spécial. Je sais pas trop, c'est mon frère, Vincent Roro. Bonjour. Ouais, non mais toi t'as pas mué, toi. Toi tu n'as pas mué depuis parce que oui, on va s'amuser à regarder une nouvelle fois les anciennes vidéos. Alors la dernière fois... Ça a piqué. Oui, en effet, ça a piqué. Surtout au niveau de la qualité, puisque bon, vous pouvez le voir, ma souris est vraiment super fluide, puisque je suis en 60 FPS et je suis en 720p, ce qui est plutôt pas mal. 2017 commence fort sur la chaîne avec un info Yoshi. Waouh, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait d'info Yoshi. Le Yoshi était bien fait, par contre. Bah, en même temps, j'ai pris une photo sur internet. Et on démarre avec un... Bonne année 2019 quand même. Salut mes petits Yoshi, c'est Denis Roro. Vous savez déjà ce que je veux dire. C'est je pense que... Qu'est-ce qui a changé? Ah, je sais pas. Je veux 4 propositions, s'il vous plaît. Réponse A, ma voix. Réponse B, ma voix. Réponse C, ma voix. Réponse D, les 3 propositions précédentes. Oh là là, je sais pas. Je dirais la réponse... Je sais pas trop. D. Et c'était malheureusement une bonne réponse. Oh mon dieu. Cette voix... Déjà, vous êtes 39 abonnés ou... Incroyable. 39 abonnés. Non mais dis-toi que t'en avais 39 en 2017 et t'en es à... 169 abonnés. Bah tais-toi. Tais-toi juste la vidéo, je t'ai pas demandé. Alors, donc on est à 169 abonnés. J'espère atteindre les 200 en 2019. Et au 175, je vous fais des petites surprises, des petits teasers, enfin... J'essaierai de vous régaler pour vous motiver un peu plus aux 175 abonnés, donc et aux 200. Bimenji Drive, casquette de ouf gueudin et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que t'en dis? Au revoir. D'accord, très bien, oui, ça peut être une option. Hein. Oui, c'est ça. Sur ma chaîne, 1105 vues. Alors encore une fois, on va regarder les stats de la chaîne. 6909 vues, alors. Non mais collègues du collège. Du collège. Ah, j'y crois pas, j'étais encore au collège à l'époque. J'ai aussi Roblox. Oh mon dieu, non, pas Roblox, s'il vous plaît, pitié, pas Roblox, ne me faites pas jouer à Roblox, s'il vous plaît. J'ai failli succomber à Roblox pour les vidéos, parce que je me suis dit, présenter Roblox, du jeu, machin. Et en fait, j'ai jamais eu la motivation de le faire. Mais il y a un autre truc qui me choque, quand même. www.bandicam.com. Donc là, on voit du gameplay en 480p, attends, 2 FPS. Franchement, la vieille outro, tu vois, ça fait un petit quelque chose, parce que ça fait un bout de temps quand même que je l'ai pas utilisé. N'empêche, ouais, ça fait un... Maintenant, avec Shotcut, je peux faire à peu près le même type d'intro. C'est juste que j'ai la flemme et je préfère les infos, les intros assez simples. Et là, on arrive à la meilleure vidéo de la Terre. C'est... Ah, non, en fait, non. Tu avais un skin de Kikou, Kikou, Kikou. Tu avais un skin de Kikou, 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 Kikou. En plus, Minecraft t'a pas respecté. Il t'a mis un skin d'Alex. Ouais. Et deux autres mini-jeux. C'est vrai que là,
avec cette vidéo là, vu que j'avais fait, enfin vu que après le best-of, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je rende mes vidéos un peu plus drôles au montage. Et c'est vraiment à partir de là que je commençais à pas faire que juste mettre intro, la vidéo et outro. Avant, je faisais zéro cut, hein, vraiment, sur Movie Maker. D'ailleurs, on peut toujours faire des trucs hein, sur Movie Maker, mais par rapport à Shotcut, c'est limité de dingue. J'étais toujours aussi boulé à l'époque. Hein, je crois qu'aujourd'hui, ça s'est même empiré, ça se trouve. Ah non, j'en ai marre. Alors je me rends compte depuis le début de la vidéo que je ne mets pas en plein écran. Et c'est... Pourquoi je ne mets pas en plein écran? C'est beaucoup mieux pour les abonnés. Avec le bandicam. Waouh, cette qualité. Le zéro anti-aliasing, ça fait... Waouh. Ah, les 50 abonnés. Au moment où j'écris ça, j'en ai 61. Ah oui, mais... Je pense que c'est un jeu d'acteur. Mais si ça n'en est pas un, tu es le plus gros débile de la Terre. Bah heureusement que c'était du jeu d'acteur. Non, écoute, je vous laisse écouter. Du diaps. Non, attends. Oh non, je confonds encore avec le lapis. Ah non, je confonds encore avec le lapis. Du bleu ciel, du lapis. Est-ce un jeu d'acteur ou non? C'était un énorme jeu d'acteur, justement, ça faisait partie d'une blague, vu que sur ma chaîne, sur mon Let's Play Survie, par exemple, j'étais vraiment une vraie bouse. Et je suis encore un peu aujourd'hui, mais je me suis amélioré quand même. Et du coup, je voulais faire cette blague pour faire genre que j'étais une bouse, vraiment à ce point-là, alors que bon, je connais quand même un peu minimum Minecraft, quoi. Voilà. Et même, ça a été expliqué dans la vidéo Making of que je t'invite à regarder avec moi, mais de toute façon t'es obligé parce que t'es toujours dans la vidéo. Et les titres totalement pourris aussi. Ah, les titres à l'époque je connaissais pas le plus tactique. Hein. Ah, le Let's Play Survie saison 1. Ah, j'avais le fameux ancien skin. Skin que j'ai un peu amélioré depuis. Non, je ne savais pas. Waouh, alors ça change quand même pas mal. La texture du bois était horrible. La texture de l'enclume. Ah oui, mais c'est vraiment horrible. C'est vrai que je faisais ça sur un site, bah, c'était Nova Skin, qui permettait de faire les textures pack. Et le vrai Cartoon Craft de maintenant... Je le fais avec bah à la main en fait, avec un logiciel qui s'appelle GIMP, qui permet de d'éditer les images et tout. À la main, donc en fait tu prends un cube, tu prends un pinceau, tu colories, tu le donnes aussi. Il te le met. C'est pas exactement ça, mais alors la table de craft. Oh mon dieu, le lit. Oh. Alors le lit, à l'époque, il y avait qu'un seul type, une seule couleur de lit, donc je me suis un petit peu lâché. Oh là, c'est horrible. Ah ouais. La voiture, déjà, mais le creeper, c'est horrible, c'est pas ça, le creeper. Oh, pauvre creeper. Bah, au moins, t'as reconnu que c'était un creeper, c'est déjà ça. Bah, en même temps, voilà, je suis désolé. Deux carrés avec une forme bizarre, je suis de avec un grappeur. Alors la bibliothèque, j'ai un peu gardé le même style, genre des bouquins colorés, mais c'est la nouvelle version est plus jolie quand même. Oui, la table de craft est un peu particulière, mais... Alors pour bien mesurer, on va mettre les blocs, on va mettre une règle, ça va être nickel, allez au boulot. C'est vrai que j'ai un peu changé la musique d'intro et d'outro, mais... Posez vos questions plus bonus. Et oui, c'est une... Oh oui, cette vidéo. Plutôt cette rediffusion. Oui, parce qu'en fait, on avait fait un live à l'époque avec Google Hangouts, là, tu sais. Oui, avec le live qui bug toutes les deux secondes, évidemment. Parce qu'on a une connexion de ouf gueudin, évidemment. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu pitié. Alors j'ai failli passer à Action Myrilis, sauf que j'ai pas réussi.
Voilà. On t'aurait dû mettre au revoir. Au revoir Bandicam, bonjour Bandicam, car Action c'est nul. Ah ouais, j'aurais dû mettre ça. Et à partir de là, la chaîne change un petit peu parce que voilà, le PC est décédé. Mon PC, alors, il est modifié à l'intérieur. Ah oui, il est modifié à l'intérieur, hein. J'ai fait du tuning. Avec des arcs-en-ciel dans des lumières arcs-en-ciel dans le PC et tout, hein, voici mon PC modifié évidemment, donc c'est le PC modifié évidemment, hein. Tu crois quoi, quel je faisais en tout cas mes vidéos, c'est gaming, donc déjà ça. Et voilà le face reveal. Alors petite anecdote, c'était encore un autre live et cette fois-ci j'étais sur le PC portable de ma mère. Ah oui. Ah non, j'en peux plus. Ah, j'ai un abonné en plus. Mais arrête de parler. Oh, deux abos. Je vais péter de joie dans un abonné. Attention, meilleur jeu d'acteur. Ah oui. C'était le meilleur jeu d'acteur du jeu. Merci. Décerné à Vincent Roro. 3, 2, 1. Et là, attention. Voilà mon Facebook. C'est génial, 100 abonnés. Je peux plus. Je fais partie du clan des abonnés à 3 cheveux. Alors là, on a une énorme baisse de qualité. Là, on a très mauvaise qualité d'image, très mauvaise qualité sonore. Mais par contre, c'est la première vidéo que je monte avec Shotcut. Que Movie Maker n'était plus accepté par le PC de mon petit frère, alors du coup on a dû changer le logiciel de montage. Et je suis bien content aussi qu'on ait trouvé celui-là parce que. Tais-toi, Denis, quand même, arrête de parler. Ouais, Denis, c'est vrai. Oui, j'avais mis une petite musique de fond derrière et tout. Qualité et l'heure. Ah oui, c'était ça la qualité sur ton ancien PC. Je suis bien content d'avoir changé depuis parce que. Ouais, ton PC gamer. Moi j'ai toujours un PC de. Ah bah oui. Le caca. Un jour t'auras la chance. Alors, tu vois David la voiture. Ouais. On va descendre un petit peu. 5 likes. Je fais la version officielle de la pub. Donc en gros. C'était quelle pub? Je m'en rappelle plus, Denis. Ah bah si tu te rappelles plus, je vais te rafraîchir les mémoires. Vous en avez marre de jouer comme un caca. Je veux participer. Vous voulez jouer de la guitare comme un pro. Alors, non. Écoutez Denis Roro. Tu vas pas participer à The Voice. Guitare, Vincent Roro. Tiens, avec cette musique. Ah, non, tu participeras à Te Voix. C'est vraiment en fait depuis que j'ai été sur ton PC pour faire les vidéos. C'est vraiment à partir de là que j'en ai profité pour avoir beaucoup de folie. Bon, eh bien on avait dit 5 likes, même si moi j'enlève mon like, on est toujours à 5 donc. Bah oui, on est à 6 hein. 6 likes hein. C'est. Ah. Mais du coup Denis, quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo? Eh ben, je sais pas. Quand elle sera prête, parce que il faut vraiment un truc quand même bien fait un minimum, hein. Vincent qui chante J'aime les Yoshi, ça se fera pas sur toutes les vidéos de la chaîne, donc on essaiera de faire un bon petit truc, hein. Yoshi. Voilà. Maintenant vous savez ce que je fais. Deuxième meilleur jeu d'acteur. And the Oscar of the Best Actor is décerned to Denis Roro. With instead of Denis Roro énervait because the Imagining of Craft is filming. T'as vu il est temps de faire une vidéo. Ça fait un peu Batman, non? Batman, you're serious? Are you serious? Salut Métis Yoshi, c'est Denis Roro. Ah, c'est vrai que j'ai mué, hein, depuis que j'ai fait la vidéo OMG, le Yoshi et le retour, machin. C'est vrai que du coup, ma voix
Ma voix a mué. Et du coup, depuis un an, non. Donc je profitais pas mal de la fonction webcam du PC, comme tu peux le voir. Hein. Parler comme d'habitude. Hein. Oh, oh, le petit Denis, il était malade. Oh, il était malade, le petit Denis. Et là, on va faire un pire-ception. Ça veut dire que ça, c'est la première vidéo que j'aurais faite en 2018. Donc, dans un an, on regardera, on commencera par les pires vidéos de 2016. Alors qu'on sera dans les pires vidéos de 2018 l'année prochaine, parce que voilà. Donc ça, c'était vraiment la dernière vidéo que j'ai faite en 2017, du coup. Et ouais, ça fait quand même pas mal de vues et tout. Donc le best-of du Yoshi qui a fait quand même 84 vues à l'époque. C'est vraiment la vidéo qui avait fait plus de vues que les autres quand même. Donc tu vois, 63 vues quand même sur la vidéo qu'on a faite tous les deux. Donc c'était plutôt pas mal. Là, 81 vues, mais c'est parce que j'ai mis cette vidéo en vidéo principale sur la page d'accueil de ma chaîne. Donc ça explique peut-être un peu ça. C'est vrai qu'on allait plutôt vers entre 25 et 50 vues. Hein, et puis là, d'un seul coup, ouais, paf, 109 vues, 94 vues. Bon, là, on revient sur du normal. Et là... 505 vues. Je me rappelle plus que ça avait fait autant. Hein. Moi non plus, je pense que vraiment, c'est une vidéo qui vous a plu, donc on refera peut-être un épisode 2, hein, n'est-ce pas Vincent? Oui. Par contre, dans l'épisode 2, on évitera les gages. Hein. Et là, bam, 960 vues. Waouh. Mec est content, la famille vue. C'est rien 1000 vues, hein. Il y en a qui font 1 million en même pas 24 heures. Donc dans les 10 vidéos les plus vues, il n'empêche, il y en a quand même seulement 3 qui datent de 2017. Le reste date de 2018 et il y en a une qui date de 2016. Donc c'est vrai que cette année 2018, j'avais fait quand même beaucoup plus de vues. Parce que peut-être voilà, ma communauté qui commence un petit peu à grandir quand même. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo des pires vidéos que j'ai faites en 2017 sur ma chaîne. N'hésitez pas à continuer à vous abonner parce que hein, pour 2019, objectif 200 abonnés. Merci à Vincent Roro d'avoir participé à la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Oui, gonflez-lui un petit peu son compteur, même si sa dernière vidéo date d'il y a 2 mois. Faut lui gonfler un petit peu son petit compteur au petit. Hein. Oui, parce que quand t'as pas de connexion, c'est un peu dur de faire des vidéos. Mais si, tu en auras une de connexion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à plus.